Salut tout le monde, c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui sur Killzone Mercenaries sur PS Vita, encore une fois, voilà, en ce moment j'ai plutôt bien envie d'enchaîner les vidéos dessus. Alors on se retrouve encore donc en guérilla sur la map Zénith, donc voilà, ça rappelle la dernière partie que j'ai mis en vidéo, là, où j'avais quasiment plus de munitions, et où j'ai réussi à gagner quand même la partie, tout en faisant un bon score, voilà, c'était un petit peu le même, enfin c'était sur la même map et tout, donc c'est vrai que je tombe très souvent sur Zénith. En map, c'est vrai que c'est assez surprenant. J'ai fait énormément de vidéos. Hop là, j'ai fait énormément de vidéos sur cette map depuis que je suis sur YouTube. Je me souviens qu'une de mes toutes premières vidéos, d'ailleurs, c'était aussi à la Stata 3 sur Zenith. Voilà, je m'en souviens de cette vidéo notamment. Je me souviens aussi de deux ou trois parties mercenaires sur le Zenith. Donc, c'est vraiment la map sponsorisée par Vitamine 17, n'est-ce pas? Alors, on va mettre. Hop là, on va mettre ça. Et on va faire ça. Et c'est une très mauvaise idée. Voilà. C'était une très mauvaise idée d'utiliser le Mantis. Dommage, parce que le Mantis Engine est un très bon outil. Voilà, qui permet de faire de nombreux kills. D'accord. Qui permet de faire de nombreux kills. Et c'est vrai que je l'ai vraiment utilisé de manière stupide. C'est dommage. C'est dommage. Alors, bah, là, c'est bien. On a bien sécurisé le. D'accord. Ça serait qu'avec la. La M82, j'ai oublié qu'on pouvait viser aussi précisément, aussi loin. Bon, le sniper, c'est plus mon truc. Ça fait tellement longtemps que je suis plus habitué à y jouer que c'est la galère. En plus, en vidéo, je peux pas utiliser la détection de mouvement que j'utilise habituellement pour pouvoir viser en toute sérénité. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour moi. Alors, au couteau, on va prendre un petit raccourci. On va même prendre un grand raccourci pour buter l'ennemi que j'ai vu là-bas. Bah, il est où? Oh là, j'ai du lag. Oh là! Oh là là! J'ai eu du lag pendant 2 secondes. Ensuite, j'ai merdé avec les touches là. Vu que je suis dans une position pas très confortable pour filmer les vidéos. Mais j'ai eu beaucoup de lag là pendant 2 secondes. C'est dommage, juste au moment où je visais. Puis ensuite, bah, j'ai été mauvais tout simplement. Allez, le Volteur. Pourquoi ils sont que deux? Pourquoi ils... Ah non, c'est bon. Mais merde! Ah, dommage. Mon coéquipier est passé juste devant la grenade. Que j'avais plutôt bien passé. Oh oui! Triple! La triple! Joli! Joli, joli. Maintenant, on va s'occuper de la capsule Vanguard qui est au sommet là-bas. Voilà, j'ai rechargé mon arme. Je pense que c'était inutile. Parce que cette arme a vraiment énormément de munitions dans le chargeur, donc je pense que j'étais un peu stupidité, mais bon, c'est pas grave. Donc lui, c'est l'arme de DLC, hein, souvenez-vous. Alors je crois que son nom c'est le M224A1, donc c'est vraiment un nom barbare. Alors ta 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 ta, voilà la petite double magnifique, le ta 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 ta, souvenez-vous, c'était ça vient d'un défi entre mercenaires avec Loïc, donc c'est-à-dire Fou des Geeks, souvenez-vous. Bon, là je l'ai pas fait parce que là je savais que j'allais pas toucher. Alors, avec un petit peu de chance, à travers les fenêtres, c'est peut-être possible. Écoutez, j'allais le chercher, le gars là. Ah, bah je l'ai blessé. Non, il va me le voler. Allez, cours, connard. Vite, cours. Et merde. Oh oui, j'ai eu le temps de récupérer en quelque sorte le kill que j'avais moi-même quasiment fait. Et que mon coéquipier allait me voler en interrogeant. Oh joli, je sais pas comment j'ai fait le kill. Bah écoutez, encore une belle partie. En ce moment je suis vraiment chaud sur... Oh putain. Je suis vraiment chaud sur Mercenary, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, 38-31, donc en gros on est quasiment sûr de gagner. À moins de se prendre du 9-0, on va gagner. Donc autant vous dire qu'on a gagné. Regardez, le dernier kill, et voilà. Bon, c'était une partie relativement courte. Écoutez, je vais la poster peut-être comme ça. Non, parce qu'en fait, pendant 10 jours, je ne serai pas chez moi. Et à l'endroit où je suis, j'ai une connexion internet qui est assez faible. Ce qui fait que ça va être compliqué d'uploader des vidéos. Donc, vu que cette vidéo est courte, je l'uploaderai tel quel, une petite partie de 4 minutes. Et puis voilà, comme ça me permettra au moins d'uploader une vidéo pendant les 10 jours où je serai pas chez moi. Voilà, parce que le problème, c'est que si je fais des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure comme d'hab, j'ai juste peur que ce soit un petit peu trop lourd à uploader. Et ben voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. C'était une partie courte, mais plutôt marrante. Désolé de faire une vidéo aussi courte, mais voilà, je vous ai expliqué la raison.
Bah écoutez, je vais évidemment retourner une deuxième vidéo dans la foulée, une vidéo qui sera sûrement uploadée d'ailleurs avant celle-là. Bon voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à la prochaine, ciao!